Le président sénégalais est un homme d'État. Il est à la tête d'un grand parti. Le souci qu'il a eu et qu'il a toujours animé, c'est le bien-être de la Guinée et de l'ensemble des Guinéens. Le président sénégalais a mission à l'extérieur, pas de la Guinée, mais en bien. Le souci majeur qu'il a et qu'il anime est que la Guinée se calme et que nous sortons de cette transition d'une façon apaisée. C'est pour ça qu'il se déplace pour aller à l'extérieur, rassurer les partenaires, voir de quelle façon nous pouvons, avec les membres du CNRD, avoir une transition apaisée. Son objectif principal, c'est ça. Je voulais aussi informer les uns et les autres que l'UFDG est un grand parti. Ça, vous le savez. Le seul parti qui est représenté sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays, c'est l'UFDG. Le président sénégalais, dans ses missions, évidemment, rencontre aussi nos différents responsables. Quand ils se dépassent parce que nous avons à l'extérieur des fédérations. Nous avons 15 fédérations aux États-Unis. En Europe, nous avons 11 fédérations. En Afrique, nous avons 20 fédérations. En Asie, nous avons 2 fédérations. À Conakry, vient d'ici, nous avons 10 fédérations. Et à l'intérieur du pays, nous avons 47 fédérations. Aucun parti politique ne peut être aussi représenté sur le plan national et sur le plan international. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'intérieur du pays, nous avons toujours eu entre 80 à 90% des résultats parce que les Guinéens qui vivent à l'extérieur votent en majorité pour l'UFDG. Ce soir, il y aura un passe-son de présidence au niveau de la coordination UFDG-Europe. Ce que vous ne savez pas, non seulement nous avons des fédérations, mais nous avons aussi des coordinations. La Belgique, ici représentée, va assurer, à partir de ce soir, à 19h, va prendre la présence de la coordination UFDG Europe. Quand les présidents nous prennent son avion pour sortir d'ici, nous entendons tous les discours, beaucoup d'interprétations. Mais cet homme aime la Guinée. Cet homme aime les Guinéens. Cet homme veut que les Guinéens vivent en paix et en harmonie. C'est ça sa mission. Il ne fera rien qui ira à l'encontre du bonheur de la Guinée. Il ne fera rien qui ira à l'encontre de la discernerie. Malgré que chaque fois qu'ils sont, on essaie d'interpréter. Voilà pourquoi. Monsieur le président sénégalais, évidemment, quand vous avez eu 90% de vos temps à l'extérieur, vous ne pouvez pas laisser tranquille, vous êtes obligé d'aller le voir. Donc son objectif, c'est ça. Le reste ne sort que des interprétations et des travaux que les gens savent faire. Le président, si vous aime la Guinée, aime les Guinéens. Je voulais aussi parler de la réconciliation nationale, il faut qu'on en parle. L'UFDG est un parti qui a toujours souhaité et qui a toujours demandé la réconciliation entre l'ensemble des filles et des fils de notre beau pays, la Guinée.
la base, les Guinéens vivent à Cameroun. Comme moi, comme Cameroun, comme vous, comme tout le monde. J'ai des neveux qui sont peu. J'ai des neveux forestiers. J'ai des neveux soussous. J'ai des neveux communiqués. Je me pose la question. Quand vous prenez votre fille, quand un mannequin prend sa vie, il donne un peu. Comment on peut imaginer que les Guinéens ne vivent pas dans le monde? Ta vie, tu la prends. Tu donnes un mannequin. Le soussou, la femme soussou se marie à un forestier. Quand les gens vont à la mosquée, il prie à ça. Quand il y a un décès, c'est toute la Guinée qui se retrouve. Les Guinées en apparence aiment la réconciliation. Et les RPG aiment la réconciliation. Nous le disons pourquoi? Parce que nous connaissons la Guinée. Quand on dit qu'on connaît la Guinée, ce n'est pas en regardant la carte. Parce que nous avons fait le tour de la Guinée. Nous connaissons la Guinée parce que le parti est implanté sur l'État d'unité de l'État national. Il n'y a pas un seul endroit en Guinée où nous n'avons pas été dangereux. Quand nous avons 40% des résultats, ce n'est pas les jeunes qui demandent, c'est toute la Guinée qui demande. Ce pays appartient à la sainteté. Aucun Guinée n'est supérieur à un autre. Allez, dis la valeur d'un nom. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas là où tu es né. Ce n'est pas ce qui a été de parent. La valeur d'un nom pour nous dépend de toi-même. Si tu es un homme honnête, sincère, digne, qui dit la vérité, tu mérites respect et considération, quel que soit l'origine où tu viens. C'est ça le principe que nous avons. C'est pour ça, à Dieu Dieu, on ne parle pas d'ethnie. C'est pour ça, à Dieu Dieu, nous avons un parti transversal. Monsieur Bangoura qui vient de parler, ingénieur de son état. Il est natif de Koya. Les gens qui connaissent les Bangoura de Koya, il est natif de Koya. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a dit à Dieu Dieu. Parce qu'il a remarqué, parce qu'il a vu. Parce que, à Dieu disait, ce qui nous intéresse, c'est la Guinée, c'est comment sortir ce pays de la misère et de la précarité. Mon frère Tanou a parlé de Gawa. Évidemment, Gawa, c'est un péché. Je ne suis pas de Gawa, je ne suis pas de Gawa. Merci de bien dire ici demain de présenter François Gawa. Je gagnerai à Gawa. C'est tout. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est le projet de société. Évidemment, quand on parle de réconciliation, il faut mettre en valeur certains principes. La vérité, la justice, la réparation et le pardon. On ne peut pas occulter ça. Quand il y a eu des problèmes, quand certains ont été quittés, il faut qu'on parle à lire notre histoire et qu'on ait le courage de rendre justice à ceux qui ont été victimes. On ne peut pas continuer. Il y a 60 ans d'indépendance. Il faut rendre la justice à ceux qui ont été. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. Il faut lire notre histoire. Il faut faire la réparation. Je vais dire qu'il dit, il faut réparer. Mais il faut demander, quel que soit le problème qu'on a, il faut qu'on accepte le pardon. Quel que soit le sort des Guinées. C'est parce qu'on vit ensemble qu'on a des problèmes. Il faut que le pardon soit un élément important. On a parlé des assises nationales.
pour les pieds. L'UFDG a une très grande expérience. Pour le moment, malheureusement, on a entendu parler des assises nationales. Nous n'avons pas de thème de référence. Nous n'avons pas été consultés. On n'a pas vu. On ne nous a pas demandé. Si on avait demandé à l'UFDG concernant les assises nationales, on aurait pu donner notre expérience. Vous ne pouvez pas parler d'assises nationales si vous ne connaissez pas la ligne. Nous connaissons parfaitement bien la ligne. Je voudrais rappeler ici qu'un travail de qualité a été fait, un travail extraordinaire dans le cadre de la réconciliation nationale. Ce travail a été fait. Le grand imam de Conakry, l'archevêque de Conakry, ont travaillé sur un document de 1958 à 2015. Ils ont fait le tour de la Guinée. Ils ont allé jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un rapport important. Ce document est ici. Est-ce que le colonel Doumbouya est au courant? Je n'en sais rien. Mais je vais souhaiter humblement ici que le grand imam et l'archevêque de Conakry prennent ce document, allez le donner au colonel Doumbouya et son contenu. L'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on gagne en temps. On ne peut rien faire qui soit meilleur à ce document-là. Parce que tout a été fait. Ce document est tellement important qu'il peut servir à la réconciliation nationale. Donc, je demande humblement à l'imam Mohamed Salim Kamara et à l'archevêque de Conakry de vouloir bien remettre ce document au colonel Mouya. Je suis convaincu qu'il n'a pas ce document. S'il avait ce document, il aurait pu travailler dessus. Ça nous permet de gagner en temps. C'est tout. Le dialogue. L'UFDG et la quasi-totalité des partis légalement agréés ont toujours exigé à ce qu'il y ait un dialogue sécurisé. On ne peut rien faire dans ce pays si on ne dialogue pas. Nous avons en commun la Guinée. Si on ne se parle pas, si on ne discute pas, si on ne se raconte pas, si on est forcé à tout le monde, on ne pourra jamais avancer. C'est dans le dialogue qu'on peut trouver la solution à tous les problèmes de notre pays. Il faut qu'on dialogue. Nous devons dialoguer parce que beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Les Guinéens sont à peu près perdus, en face à quoi s'en tenir. Quand est-ce qu'on va organiser les élections? La tradition va prendre combien de temps? On a des élections majeures. Il y a la constitution qui doit être adaptée. On doit passer ça au référendum. On doit organiser des élections locales, élections législatives, élections présidentielles pour passer le terrain. Les gens se posent la question parce que au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trouver. Il faut qu'on se retrouve. C'est pour ça que nous disons, nous voulons un dialogue situé. Situé entre le CRD qui gouverne aujourd'hui, entre le gouvernement qui applique les décisions du CRD, entre les partenaires techniques et financiers et les médiateurs. Nous l'avons demandé, ça, ce n'est pas difficile. Il faut qu'on parvienne à expliquer pour qu'on comprenne. Nous, tu souhaites de plus en plus que la Guinée se calme. Ce pays a souffert. Il y a eu beaucoup de manifestations dans ce pays. La manifestation n'est pas, si vous voulez, l'option que nous avons en priorité. Notre souhait est qu'on se retrouve qu'on discute en vrai pour que cette tradition-là soit très.
vivons, nous serons vivants. Qu'est-ce que le dialogue appelle solennel ici? À nos religieux. Je voudrais les appeler. Il faut qu'ils s'impliquent. Et je vais vous dire, en tant que militaire, c'est parce qu'il a une RPG. Il ne faut jamais qu'on oublie que les religieux chez nous sont sacrés. Les imams sont sacrés. Les responsables sont sacrés. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Par le passé, quand on voit un imam animé, c'est comme si on a vu quelqu'un. L'imam est tellement, a tellement de valeur que je vous demande de ne jamais adresser un seul propos désobligeant à n'importe quel imam de la ville. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Je voulais donc, honnêtement, pour maintenir l'image sacrée de nos religieux, nous les demandons de s'éloigner finalement de la politique. Il faut laisser la politique aux politiciens. L'imam ne doit pas faire de la politique. L'imam doit tenir tous les fils de la Guinée sur le même pied d'égalité pour que l'image sacrée existe. C'est ce que nous demandons. Nous demandons à nos imams de se lever.
Nous les félicitons et nous les encourageons. Nous avons des histoires au colonel qui nous poussent à ne pas rencontrer les partis politiques, n'aime pas ni le colonel ni le président. Quand on parle d'élections, quels sont les premiers conseillers? Je vous pose la question, quels sont les premiers conseillers quand on parle d'élections? Répondez. Les partis politiques. Quels sont ceux qui doivent rentrer en compétition? Répondez. Quel est l'acteur qui va être élu? Un représentant de parti politique. Est-ce que vous êtes acteur politique? Levez-vous. Levez-vous tous. Oui. Je veux que vous répondez. Quand on organise une élection, quand on parle d'élection, par tout ce qu'on fait, la finalité c'est l'organisation des élections. Quels sont les premiers conseillers? La partie. Quels sont ceux qui doivent aller en compétition? Qui va être élu? Un parti, un président d'un parti. Nous lançons un appel pour Colonel Mouya de revoir les tasses.
essayer de diminuer au maximum les passes. Pour permettre de diminuer le coût de la distribution. Et demander, comme je l'ai dit la dernière fois, aux commerçants de revoir un peu dans leur structure de vie s'ils peuvent faire un effort pour diminuer un peu leur marge. Parce que je vous dis, vous ne pouvez pas dormir si vous êtes conscient. Si vous êtes un homme conscient, vous n'avez aucun moyen de dormir tranquille, avoir la conscience tranquille, si votre voisin n'est pas capable d'avoir un repas marché. Quand un seul client souffre, c'est l'ensemble des clients qui souffrent. C'est comme quand il n'y a pas de bouton, quand il n'y a pas d'électricité. Les conséquences, c'est tout le monde. Il n'y a pas de doute pour tous vous, maladie et peu pour forestier. Quand nous sommes dans la misère, c'est l'ensemble des biens qui sont dans la misère. On ne peut pas rester sans parler de ça. Il faut qu'un effort soit fait. Je voulais demander honnêtement, encore une fois, de revoir un peu les taxes. Nous avons appris qu'ils veulent augmenter aussi le camion. J'espère qu'on fera très attention avant d'augmenter le camion. Regardez le coût du carburant et savoir que n'importe quelle augmentation du carburant peut avoir des conséquences sur l'augmentation du prix de l'année de première nécessité. Nous le disons parce que nous sommes politiques, nous le disons parce que nous aimons la vie, nous le disons parce que nous aimons ce pays. Je voudrais, puisque vous êtes là depuis ce matin, vous remercier et vous dire que vous devez, chacun à suivre le conseil, se considérer comme secrétaire fédéral, comme président du comité de base, comme vice-président, comme il a servi dans les dialogues à partir de maintenant. Vous devez, chacun à suivre le conseil, essayer de rassurer les Guinéens. Beaucoup de Guinéens ne savent pas où aller, madame cette vidéo. Il y a beaucoup de décisions. Allez faire travail à la base. Allez expliquer notre projet de société. Allez dire à tout le monde que la Dieu ne nous battons pour mettre des guinées ensemble. Allez expliquer qu'à Dieu plaisir, le seul objectif que nous avons, c'est que les guinées vivent en paix et en harmonie. Allez les expliquer que demain, quand le président s'intéresse, je suis sûr qu'il sera le président de la Guinée. Tous les Guinéens seront traités sur le même pied de la Guinée. Allez les dire que demain, il n'y aura pas de justice quand le président s'intéresse sur la rade. Allez les dire que demain, les partis politiques seront traités sur le même pied de la Guinée. Allez les dire que nous n'avons pas d'ABC. Notre ABC, c'est la misère. Notre ABC, c'est la précarité. Notre ABC, c'est la division. Notre ABC, c'est les gens qui n'ont de programme que l'électrocentrisme. Notre ABC, ce sont les gens qui n'ont pas de programme. Allez passer ce message et les dire que les portes de l'FDG sont grandement ouvertes pour recevoir l'ensemble des Guinéens. Et que c'est ce que nous attendons parce que les élections vont être organisées. Les élections vont être organisées et je suis sûr que madame la première dame qui a accepté de vivre à l'issue sera à côté de son mari comme elle le fait tous les jours. Cette grande dame. Cette grande dame, quand elle se lève le matin, elle passe au bureau. C'est pour aller assister à un baptême, aller assister à un mariage, aller à l'hôpital voir un malade. Mais quand elle le fait, elle ne cherche pas à savoir si tu es bien pitié, si tu n'es pas bien pitié. Elle ne cherche pas à savoir si tu es sain, si tu n'es pas sain. Elle ne cherche pas à savoir d'où tu viens. Quand quelqu'un vient,
quand elle fait mal à la c'est une grande leçon que vous donnez à l'Assemblée. Je suis convaincu que votre président demain, si vous êtes le président de la Guinée, les Guinéens seront réconciliés. Et il y aura un humanisme ici. Parce que